Chers auditeurs, bonjour. C'est votre frère du Qatar. Je vais mettre un mot ou deux mots à propos de ce qui se passe dans notre groupe Parlement debout de la RDC. Et ce message, je l'adresse à ceux-là qui se sont échangés le message dans le positif ou dans le négatif. Mais je vais apporter ma proposition ou mon opinion. Je ne suis pas contre quelqu'un, je suis plus neutre pour rappeler à tout le monde comment nous pouvons gérer les ambitions de tout un chacun. Le Parlement debout de la RDC réunit des opposants des différents coins. Cela veut dire, dans ce groupe, il y a ceux-là qui soutiennent Nanga. Il y a ceux-là qui soutiennent Martin Fayoulou. Il y a ceux-là qui soutiennent Mukwege. Il y a ceux-là qui soutiennent Mozito. Alors, dans le Parlement des Bourgnons, bas opposants et bélés. Et puis, il y a aussi ceux-là, au bas dans la partie politique, mon côté, Bango Bazaraba pro-Congo, Bazoulukamboka et Bonga. Alors, c'est là où il faut se poser de questions, vous les administrateurs, nous qui sommes des administrateurs, et ceux-là qui ont fondé ce groupe Parlement debout de la RDC. Ce que vous devez comprendre premièrement, le Parlement debout de la RDC, ils en ont battu Bélé, Balinga, Kango, surtout pour n'avoir mon extra. Ça, c'est de un. Cela veut dire, les autorités écoutent. Maintenant, quand les autorités écoutent, écoute le positif, écoute aussi le négatif, mais en oubliant que na kati ya groupe ya parlement debout, ma tendance est à épeler. Ma tendance est à épeler. Mais non. Moi, je dirais, il faut plus analyser quel est le discours qu'il faut amener na public oyo sangisi ba opposant épeler pour na kotia bango à l'aise. Je m'explique. Personnellement, moi-même, moi je soutiens Mukwege, Maria Yebingate, mais moi je soutiens le monsieur là. J'ai un peu de l'espoir à ces messieurs par rapport aux autres. Bon, non, il y a un soldat du peuple. Élection en 2018, Oyonanga, à Kabila qui Félix, Azong c'est la Félix, c'est que Azong c'est la Martin Fayoulou pouvoir naïe. Les autres disent que non, bato mususu oya katumbi babi non. Bisoto soutena ki nani Martin Fayoulou na élection 2018 tout ça qui est poids. Mais pourquoi y est Martin Fayoulou pe na 2023 a tchaki peut-être katumbi poids te aseli ki bongai voler les guéguerres. Bref, le guéguerre au Congo continuera, c'est notre culture. Nous sommes nés dans la politique et dans la polémique. Nous aimons plus la polémique au lieu de mettre quelque chose qui construit, quelque chose qui construise, afin d'amener le Congo de l'avant. Maintenant, comment nous pouvons apaiser toutes ces tendances? Comment nous pouvons améliorer notre sortie médiatique afin que tout le monde se mette à l'aise? Pour que tout le monde se mette à l'aise, c'est simple. C'est seulement dans vos interventions, si vous mettez le Congo au-dessus. Vous allez condamner. Si vous mettez seulement le Congo, que votre objectif, c'est la réussite du Congo, le développement du Congo, il n'y aura plus de tendance. Selon moi. Si le Congo prospère, si le Congo va de l'avant, mais même celle-là de Mozito, même celle-là de Fayoulou, même celle-là de Katumbi, ils ne vont pas rester derrière, ils vont acclamer. Je m'explique encore. Moi, je suis contre Félix Tshisekedi, Banda Lelo Tshilobi. Mais dans mon parlement, au Basali, na Lubumbashi, c'est quelque chose à applaudir. Soyons sincères. Parce que parlement au Batongiwana, et côté grandé, la génération naissante, tant que Jacques Kaboul ne sera pas en vie. Mais c'est quelque chose à profiter. Tu ne vois pas que, et l'autre au Basali, wana, monument au Batongiwana, ça va bénéficier. Nabatu à Katumbi, Nabatu à Fayoulou, Nabatu à Nani. Parce qu'ils ont posé quelque chose pour le Congo. Mais malgré ça,
et ça là qui peut être priorité au Congolais bande kozela na pouvoir yango ya tisekedité. Voilà un peu les gens qui pensent au Congo, les gens qui voient le Congo. Alors, je tourne maintenant la responsabilité à monsieur Morningstar. Si nous respectons notre groupe intitulé Parlement debout de la RDC. Donc, Parlement debout de la RDC, ils sont focalisés à se mettre debout de parler de la RDC tout le coin. Donc, dans tout le coin du Congo, on parlera de la RDC. On ne parlera pas de l'UDPS. Malgré la politique, pour l'instant, est basée sur le gouvernement de l'UDPS. Là, ça se comprend. C'est là où, dans vos discours, vous prononcez un peu de l'UDPS, vous parlez un peu de l'UDPS parce que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Là, ça se comprend. Là, ça se comprend. Et nous savons que vous tirez sur l'UDPS. Oui, là, ça se comprend. Mais ce qui est mal, c'est quoi? C'est d'abord comment mettre l'essentiel sous la table. Vous êtes doué au renseignement. Vous parlez du renseignement. La question aussi. Renseignement, osako tangisa batu, osako tangisa ba opposant, to osako tangisa batu bazana pouvoir po ba bongisa. Mais tant que osomona ke osopesa bango mateya ya renseignement malamu bazako bongisa te, parce que moi dans tout ce que vous disiez, si j'étais le président de la République, je devais vous ramener rapidement à Kinshasa po ba conseil osako pesa sur les réseaux sociaux te et qui a ko servir mboka po mboka ke ne liboso. Ba conseil osako pesa pour la bonne marche à Mboka, pour la bonne marche à renseignement, mouton yo peut-être aux autres pays sa conseil. Azo yo kayo, mais azo beta yo kara. Parce que au bandago loba l'éloté. Et tout le monde a compris dans le réseau ce que tu as de la matière. Mais pourquoi pas la personne là que vous conseillez, que vous voulez qu'il puisse faire le bien, azo kipe yoté. C'est là où moi j'ai dit, papa Morningstar, il faut peut-être vous retourner. Ou il faut peut-être, bon temps là, façon ni peut-être, vous pouvez adresser vos messages. Mais non, dans tout ce que vous disiez, ça se montre comme si tu soutiens ces pouvoirs ici qui font toujours du mal. Je crois que je me fais comprendre. Donc, et ça, au moment dans le local là, Baosala Mabé, les gens attendent peut-être, Bato Yamoukouek, Bato Yamatandan, Bato c'est la peut-être, non, en tout cas, pouvoir le roi Babon Salabango, en tout cas, je m'en fous. Non. Et puis, dans les 3 ans qui restent, dans tout ce que vous avez dit là, ça m'a tiens quoi qu'en application T. Alors, moi, si j'étais toi, je devais peut-être changer mon kazak hein, directement. C'est ça ce que les gens attendent. Bon, je sais qu'on a un monopole, T, Yako, Betalingen, dans la maille, Congo et changer. Les gens attendent peut-être d'autres discours que vous devriez peut-être comprendre et de voir comment vous pouvez rectifier vos tirs. Mais non, dans ce groupe, quand nous tous, nous sommes de l'UDPS. Moi, j'ai dit, moi, je ne ferai jamais le débat de l'UDPS. L'UDPS a échoué, point barre. Ce n'est pas le pouvoir qu'on attendait, ce n'est pas le pouvoir qui inspirait nos pères fondateurs, point barre. Donc, il ne faut même pas parler de l'UDPS, ça ne vaut absolument à rien. Ce n'est pas dans ces 3 ans ici ou ces 4 ans restants que l'UDPS peut taper de bâton magique pour changer la chose. Nous sommes dans la technique et nous savons que le développement prend un peu du temps. Même quand on a dit qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps et la tête dans 3 ans. Parce que Congo Toyebi, pour construire 200 km de route, combien ça va faire? Toyebi n'est pas de Kessarambongo. Et d'ailleurs, ce n'est pas le Congo qui met le moyen. Et ils attendent, investisseurs, nous savons tous l'approche du Congo. Et on ne veut pas changer cette approche pour développer le Congo. C'est pour cela que le Congo recule. Pourquoi ça recule? Les 16 milliards du Congo, c'est pour des institutions. Pour le développement du Congo, il faut aller en Chine pour convaincre les investisseurs. 16 milliards,
ekei na ngona ba institution ekei na ngona cortège a mutuka ba charwa mobile ekei na ba sécurité ekei na vina mais ba politicien de luxe ekei na ba salaire moko vous pouvez pas y croire ekei ko futa na parlement voilà l'argent du Congo place et Kendaka. Mais pour le développement, il faut qu'on dépense des millions de dollars, qu'on déplace le gouvernement Mobimba, qu'on déplace l'institution en Chine, dans le séjour Nabango, sans qu'il y ait dépense, il y a déplacement, et qu'on ait un tongata, et qu'on ait un banadzela, n'est-ce pas, à Kalambambouji. Dépense, et qu'on ait un tongata, 4, 5 pistes d'atterrissage pour l'urgence. Dépense basali wana et kokayo son bateau de pêche dépense basali à Chine. Maintenant on discute sur quoi? Tango bateau yo oyo Morning Star osa ko pesa mateya et koti bango ebimi pour elle l'urgence c'est l'autre. Moi si j'étais vous, je devais changer mon fusil d'épaule. Mais changer aussi fusil d'épaule. Les gens ne vous conseillent pas peut-être d'aller dans à Nanga. Peut-être les gens vous inspirent à faire d'autres choses. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que ça ne change pas. Ça ne change pas. Et moi, je dirais, il ne faut même pas chanter l'UDPS. Moi, j'ai la honte de me présenter comme un enfant de l'UDPS. C'est une honte. C'est une insulte. Devant le monde entier, l'UDPS a foutu. Pour l'instant, l'UDPS ne fait absolument rien. Maintenant, dans le forum, cher honorable, moi, je crois que vous ne pouvez pas agir en colère. Restez calme, essayez de réfléchir pour voir comment vous pouvez changer votre tir. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Parce que si vous continuez toujours à défendre, parce que votre sortie médiatique, ça montre toujours que vous donnez des béquilles, vous donnez des idées pour le gouvernement où il y a téléma. Mais bazoyo kayote, bazoyo kayote. Nous tous, on a fatigué parce qu'on donnait aussi des béquilles, on donnait des soutiens, on donnait de tout. Tout le monde a fait sa nion, tout le monde a fait sa nion, il y a eu de paix. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. On a changé notre fusil d'épaule. Nous, on est dans le développement, on est dans la construction, on est dans l'infrastructure. Tout le monde a fait non, il y a eu de Félix Asalaki, il y a eu de paix, il y a eu de paix, il y a eu panneau solaire mais quand aussi la thé une cité qui toko oublié oh mbongo bango babimisa bakenda délégation mobimba bakenda na Egypte pour un projet cité qui toko baebi sabino ministre oh soki nani nani Gilando aebi sabino combien ils sont dépensés bakenda peka kaboyi délégation belé kei Egypte moko mona coopération Egypte Congo cité qui toko cité qui toko. Toute une délégation, ils ont dépensé des millions pour nous présenter un fiasco. Il n'y a pas de suite. Mais moi, on a l'été bimi. Et bimaki, on a budget à 16 milliards pour des institutions, pour leur voyage, pour leur famille, pour leur charroi mobile. Et bimi. Mais le monde, donc, l'argent là, pour tailler les institutions, pour réduire les institutions, pour ne pas ma poche et mêler à l'institution. Le Congo, il y a un gouvernement dans le gouvernement. Les gens là, doivent être sécurisés. Les gens là, doivent être véhiculés. Charroi mobile, moteur, il y a ma 10 cylindres. Et c'est de l'argent de la République qui est saigné pour des institutions. Pour le développement, allons-y faire le contrat chinois. Allons-y en Égypte pour le citer Kitoko, ainsi de suite. Venez des investisseurs, venez. On va gratifier le douane. Venez avec vos histoires. Et quand les gens là viennent pour... D'abord, ça doit commencer au Congo. Il y a des gens qui ont des propositions, qui ont des projets, qui veulent financer. Mais pour que leur projet marche, on leur bloque pour n'occuper sa banque par rétro-commission. Ils sont d'abord au Congo, mais avant d'aller tâtonner là-bas en Chine, mais pourquoi pas commencer à valider des projets? Il y a ma Congolais au bazar sur place. Namis Nabino, vous avez vu, il demande le port de vin pour moi de ma projet à développement de comment qu'on tombe balé, tombe ça tout. Nous allons où? Tu sais que Dieu nous fait tourner en rond. Le pouvoir de l'IDPS nous fait tourner en rond. Moi, je dirais à tous mes frères qui soutiennent l'IDPS jusqu'à aujourd'hui. Moi, je défends les thèses de Morning Star, oui, à l'Oba, j'ai encore ces audios. À l'Oba, que non, il faut changer le nom de l'UDPS. Bah, tu sais qui dit.
Donc, j'aimerais bien changer comme moi, parce que l'UDPS, il faut tourner la page. Il n'y a plus d'espoir. Je le dis et je m'en assume. Le pouvoir de l'UDPS n'a plus d'espoir pour changer un mot. Pour l'instant, l'UDPS qu'on nous présente aujourd'hui, c'est l'UDPS, il y a famille Tshisekedi. Je m'explique. Tant où il y a combat, je crois que j'ai fini un peu à donner ma contribution dans le collabisation Morningstar. Na zonga sikoyo na propos nanga sur l'UDPS. Bo esquisez na kolobe la bateau et on yon sobazo kwa na l'UDPS. Enlevez votre espoir. L'UDPS, le pouvoir de l'UDPS. Oh, l'UDPS, oh, paradis nyo yo. L'UDPS comme parti politique. Je crois que je peux vous rappeler. Quand il y avait combat, autant où papa tient dans sa qui maladie. Ainsi de suite. On a écouté le nom de certains Christian Tshisekedi dans la politique congolaise. On a écouté Félix Tshisekedi qui était toujours tout près de son père, qui s'occupait de la politique. Bangomi balewana Christian, na Félix, bangone bachaki moi moto. Tous les Jacques, tous les gens là, l'autre Tshisekedi, ces gens s'en foutaient de la politique, s'il vous plaît. J'ai bien dit, ces gens-là s'en foutent du politique. T'as là. Boye Bisangay marche au Jacques à Sana Belgique. Et l'autre. Nalobi, le nom que je peux écouter, Ezali peut-être Christian Timini Tshisekedi. Oh, Nako Yokake, Akenaga Soki Ibiza. To Yoka quand même comme on a eu. Boyoka comme moi, Jacques, Boyoka comme moi, Nanite, Boyoka comme moi, Nanite. Bangokutu, ils n'avaient même pas le soir. Tant que Félix Tshisekedi, bah non, matin, quittant papa, naïe, bah Jacques, wana, bah, oh, moussous, bah, tikalana, ils s'en foutaient de la politique. Mais pour aujourd'hui, ce sont les gens-là qui sont au pouvoir, ils s'accaparent de tout. Combat y a Jacques, combat y a bâton, moussous, bah, ça, na Belgique, wana, et l'équipe, peut-être, combat y a Bino, bah, combattata. Est-ce que Jacques a combattu plus que vous, Nekomo Nexstar? Hein? Et Jacques a subi la prison. Rien. Mais c'est lui qui chapeaute. Et il voit que parti politique, wana eza ya famille na bango. Point bas. Tu peux rien dire. Et parti politique qui n'est pas capable. Moi, je dis, si c'est président Félix Tshisekedi, parti où est même na pouvoir, il n'est pas capable de l'organiser. À quoi bon diriger la République? À quoi bon? À quoi bon diriger la République? Les gens qui rôdent, les gens qui bouffent l'argent, oh, bah, ils sont dans Banda, on a poto na Belgique, ainsi de suite. Na combat, bah, tu vas y bagi bangote. Na combat, bah, tu vas y bagi bangote. Bref, l'UDPS a fouté, il faut tourner la page, il faut oublier la page de l'UDPS. Il faut créer ma structure moussou. Il faut créer ma base moussou. Mais la base moussou, pour ceux-là qui connaissent la politique, ils croient aussi aux politiciens. Mais ceux-là qui ne connaissent pas la politique, ils croient aussi à la rébellion. Et ceux-là qui ne croient pas à la politique, qui croient aux d'autres choses, ils croient au mouvement citoyen. Donc, donnons la chance à tout le monde d'amener leurs opinions. Moi, je ne peux pas être contre ma mère Eliane parce qu'il y a à soutenir Nang. Ma mère Eliane ne peut pas être aussi contre moi parce que moi, je suis dans le révolté afin d'appliquer la justice populaire. Hein? Maman Eliane ne peut pas être contre qui que ce soit. Tous les gens qui veulent, ils veulent que voir le changement. Nanga veut voir le changement. Philippe, pour le révolter, ils veulent aussi voir le changement. Même ceux-là qui s'opposent aujourd'hui à l'UDPS, ils veulent voir le changement. Mais si le changement n'est pas encore là, si le changement qu'on attend n'est pas encore là, donc tout le monde a l'espoir à son leader. Allez-y comprendre, c'est si clair. Les gens de Fayoulou croient que Fayoulou peut changer. Les gens de Katumbi croient que Katumbi peut changer. Les gens de Mukwege croient que Mukwege va changer. Et c'est là qu'ils soutiennent des rébellions. Ils croient qu'il y a quelque chose qui peut changer. Tout ça parce que le Congo n'a pas encore changé. Il n'y a rien qui s'est fait encore pour améliorer la vie des Congolais. Et pour le pouvoir de l'UDPS, il n'y a plus d'espoir. Alors, à ces termes-là, il faut que nous nous mettons ensemble pour voir quel est le discours que nous pouvons amener en public pour la bonne marche du pays. Je récite à mes premiers propos en disant, si nous mettons le Congo devant, nous allons réussir. Et s'il y a un bon Congolais, moi je dirais, si Tshisekedi veut laisser
une histoire propre. Une histoire propre. Il doit lui-même faire les devants. Quand nous, quand moi, Philippe, j'ai prôné du dialogue, mais Fayoulou ne me soutenait pas. Le chantage que Fayoulou vient, c'est dialogue, dialogue, dialogue. Nous, on a soulevé dialogue après des élections, tricherie, élections, on a soutenu le dialogue que les gens doivent se mettre ensemble pour que le gouvernement de transition va réciter dans l'élection à Sika. On l'a dit. Non. Parce que vous n'êtes pas à Philippe. Monique Sarah, benga dialogue. Non, parce que vous n'êtes pas Monique Star. Ce qui est une bonne idée, c'est au fou là. Ce qui est bimine, c'est au fou là. Mais quand vous faites la bimise, oh, faites le dire, Nabiso. Oh, faites le dire, Nabiso. Bon, nous qui avons proposé et qu'ils ont refusé, tout ça, le Congo, nous ne nous acceptons pas les uns les autres. Le jour qu'on va se mettre ensemble, s'accepter les uns les autres, accepter les atouts de tout et chacun, peut-être le Congo peut aller de l'avant. Bato Bofinga Katumbi. Oh, Bofinga Katumbi. C'est que Katumbi a implanté au Congo sur le plan agricole aléatique politicien moko na Congo a namoté. D'autres ni maye, chapeau bas. Boye bise maye le wana, tozan a besoin na Congo. Il y a encore le docteur Mukwege. Ba hôpital Panzi, oyo ye a posé na Congo pour na kosunga ba victime wana. Ba effort oyo docteur Mukwege sali na ba soutien na ye, c'est dans le privé na ba soutien na ye na ba mongo na ye ya ba organisation ne ba soutenir ye. Lui il a pensé à poser des hôpitaux na Congo pour na soigner ba victime na biso ba mama parce que zali spécialité na ye. Makambu oyo ya sala na ba pollution nyoso na Congo muta beti loko wana azati. Il faut qu'on dimaye pour l'encourager à donner plus. Voilà le Congo de demain que nous projetons. Je vous ai dit encore, le pouvoir à Tshisekedi, il n'y a pas toujours les négatifs. Il y a aussi les positifs, le côté infrastructure, malgré à toucher fort au Congolais, là, il faut aussi les reconnaître pour l'encourager. Parce que ça va rester à nos enfants. Et lui dire que non, 100%, il y a 20%, 80%, c'est Mabé. Et quand j'écoute qu'il n'y a pas un leader. La zone est sous Morningstar. Morningstar lobby, il n'y a pas un leader que vous pouvez mettre confiance. Moi, je me suis étonné en disant Morningstar, Oyebi, bah, Atunayote, tu ne te connais pas toi-même. S'il n'y a aucun leader, cela veut dire que toi-même, tu n'es pas un leader. Toi-même, tu ne peux pas être un bon président. Toi-même, on ne peut pas te donner l'espoir. Moi, je suis contre ces discours. Oui, il y a des Congolais qui peuvent changer la chose. Moi, premièrement, j'ai déjà tout et de l'expérience, plus que Félix Tshisekedi. J'ai dit, j'ai déjà tout et de l'expérience, plus que Félix Tshisekedi. Si leur Dieu est mort, qu'ils essayent le mien, peut-être le Congo va changer. Si leur Dieu est mort, mais qu'il a Morningstar, c'est aussi un leader. Papa Mathieu, les autres sont aussi des leaders. Il y a des Congolais à l'inconnu qui peuvent amener un plus au Congo. Il y a les gens qui parlent de cette Kikuni. Vous ne pouvez pas ignorer les efforts de cette Kikuni, s'il vous plaît. Ce que cette Kikuni a fait pour devenir ce qu'il est, ma politicien Belé Basali Angote. Alors, l'expérience et la gestion n'est pas la politique. C'est aussi un leader. Donc, bah, leader nyoso, bah, landaka bango, par rapport à l'exemple na bango, bah, action na bango, bah, maintenant, ce qu'ils peuvent apporter. Félix Tshisekedi, on a su que, nous, on a cru que, et ça a une structure base, il y a eu de PES. Donc, on a dit que, comité directeur, pilotage, il y a eu de PES, n'est qu'on a encadré Félix Tshisekedi pour appliquer le pouvoir du peuple d'abord. Malheureusement, Félix Tshisekedi, on a dit agenda naïe, il nous a foutu au Maccabée. Je répète, Félix Tshisekedi nous a foutu au Maccabé. Où est-ce que c'est qu'on a terminé dans Zoloba? Félix Tshisekedi a soumbé le pouvoir, il y a eu de PES. A soumbé le pouvoir, il y a Papa Naye. On n'a pas vu la suite du peuple d'abord. Bon, qui Koloba, un de toi. Et l'UDPS ne peut jamais être encore un débat pour l'avancement du pays. Qu'on change de fusil d'épaule, tout le monde a négni Togo, qui n'est pas beaucoup de bisous, qui n'est pas. C'était votre frère, Philippe Moussangilay Koupila, l'homme du Qatar.
C'était ça ma contribution ce matin. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.